Salut, c'est Xavier Delarue. Est-ce que c'est l'éclat ? Zababa pour les intimes. Bienvenue dans Reporter très spécial. Si je vous dis churros, pommes d'amour, auto-tamponneuse et train fantôme, vous me répondrez fête foraine. Oui, mais pas n'importe laquelle. C'est à l'inauguration de la célèbre Foire du Trône de Paris que je vous emmène. Des milliers d'amateurs de sensations fortes ont pu partager ce moment accompagné d'un grand nombre de people à l'âme d'enfant. Vous êtes prêts? C'est parti! Et tu viens t'amuser à la Foire du Trône tranquillement. Moi j'adore, oui bien sûr. Tu restes un enfant. Mais j'adore parce que je suis resté un enfant. Ben oui. Et quel que soit ton âge, c'est vrai. Mais c'est ça. Ça me rappelle l'état de souvenirs. Ce que je veux, c'est que j'aimerais bien te voir dans des jeux à sensation quand même. Non, je le ferai pas. Sérieux? Non, ça je le ferai pas. Mais je te croyais courageux et téméraire. Non, c'est surtout non, c'est que je peux pas le faire. J'ai mal au crâne. Oh, rapidement. Laisse tomber, si laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Ah, j'ai déjà mal à la tête d'ailleurs. C'est à cause de toi que j'ai mal à la tête. Je peux avoir une bonjour, une petite crêpe s'il vous plaît. Merci. Banane Nutella. D'accord. Santé? Santé, un petit peu, santé. C'est un plaisir. C'est une crêpe gourmande, hein. S'il vous plaît. Et voilà. Bon appétit. Bon appétit. Voilà les bonnes crêpes de la Foire du Trône. Le train fantôme, c'est comment? Toi, t'as peur, toi. Attention! Ça va les gars? Ça va. C'est pas trop stressé? Bah tranquille. Et ça se voit à ta tête, toi t'es en flip. Ah, moi c'est tranquille. Lui il est en train de flipper. Bougeur. Ça se voit à sa tête, il est pas bien. Non, tranquille. Faites quoi, vous voulez baigner? Non, j'ai fait des churros. Des churros? Oh là là, les churros. Ouais. Ah, j'adore ça, les churros. Ouais, c'est très bon le churros, hein. Très bon cuisinier, bravo. Ouais. Ça s'appelle comment ça là? Top spin. Et c'était comment le top spin? Franchement, c'est frais. Ouais. Ça se voit, ça coupe plus, il est resté comme ça. Est-ce qu'on va passer à la télé? Bien sûr, tu passes à la télé, pas coupé. Ça va, Fiona, tu t'ébrouilles pas mal là quand même. Ouais, ça va. Ah, t'as la pêche au canard? Ouais, là, ça va. Ouais. Depuis quand on pêche des canards? Excusez-moi madame, avec tout ça on gagne quoi? Tu repartiras en Normandie avec ta Barbie. C'est ça, tout à fait. C'est Barbie Foire du Trône, t'as vu, regarde, on dirait une boule à facettes. Ouais, carrément. Il est tombé sur la Foire du Trône, mais ça ne va pas nous empêcher de s'amuser. Je vous prévois des trucs encore plus fous. C'est parti. Du trône, il y a Peter Pan. Forcément, chérie. Peter Pan. Tu vas faire quoi comme jeu, là? J'en ai fait plein. J'ai fait plein de manèges à sensations. Et puis, bah là, ouais, je vais à l'entrée manger. J'ai une sensation à toi tout seul. Écoute. Je peux te dire un truc. On se porte plutôt pas mal. Le gars est très complet. Et Max, comment tu vas? Bah super. Écoute, ça va, toi? On est où, toi, au niveau du jeu, là? Moi, c'est la première fois que je viens à la Foire du Trône. Yeah. Et on dit que la première fois, c'est la plus douloureuse. Mais là, franchement, c'est le contraire, tu vois. La première fois, c'est la plus douloureuse. Ouais, ah là, je vais te rattraper. Ouah. T'es arrivé premier. Ouais. Allez, check ça. Quand t'es à la Foire du Trône et que tu croises Miss Cougar, yeah. Ah là, c'est une blague. Ah, une Miss Cougar à la Foire du Trône, c'est pas étonnant avec tous les jeunes qui traînent ici. Hein. Avec tous les jeunes, il y en a plein. Il y en a pas partout. D'abord, je n'arrive même pas à bien regarder tellement il y en a. Non, mais alors calme-toi. Ah, ben calme-toi, oui, mais prends ton temps. Ton souffle. J'aime bien un petit peu regarder. D'accord, j'aime bien on regarde, on observe, voilà, on observe, et après, on fait son petit marché. Et après, oups, je saute. Bon, et ben je te laisse aller sauter. Ciao. Il faut que tu m'expliques le concept de la coupette de champagne à la Foire du Trône. Bah, c'est le swag. Je champagnise à la Foire du Trône. Donc, t'es le premier gars que je vois se balader tranquille avec sa petite coupe de champagne à la Foire. Non, mais vraiment. Faut toujours amener un petit truc. Voilà, qui sort du commun. Tu veux pas être comme tout le monde. Voilà, faut garder ce petit côté. C'est-à-dire street. Que... street de luxe. Ouais, à la santé de Star 24. Et de tous ceux qui nous regardent. Et à la santé de tous ceux qui te regardent. Vous savez qui c'est ce gars? C'est Mister France. Eh, viens voir, regarde. C'est Mister France. Bonjour.
Allez, ah, en pur kiff, ça y est. Je sais pas de faire des jeux, tout ça. Non, pas encore. Non, j'ai faim, là, j'ai faim. La petite crêpe, tu vois. Non, mais moi, je suis pas aventurier. La mèche méchée, quoi. Eh, il est quand même beau gosse, ce gars. Ouais. Ça va, pas trop peur? Non, franchement, ça va. Ça va? Ouais. Ça va? Bah, ça va, tranquille. Ouais, patiemment. Ouais. En fait, je crois que c'est moi qui suis stressé. Un grand merci aux forains pour cet accueil chaleureux. J'en ai encore la tête qui tourne et les oreilles qui sifflent. En attendant, je me suis régalé une fois de plus à vos côtés. A très vite pour un prochain reporter très très spécial.